Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et une nouvelle intro. Donc je vais m'expliquer pour la nouvelle intro. Celle-ci servira pour quand je ferai des montages par rapport à ma caméra que je place dans ma maison. Et l'autre intro servira quand je fais mes communications avec les entités. Je vous laisse donc découvrir ce que j'ai pu capter cette nuit et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à tout à l'heure. J'ai donc ralenti la vidéo afin que vous voyez bien le déplacement des orbes. Je ne pense pas que ce soit de la poussière à la vitesse où ils allaient, c'est pour ça que j'ai dû mettre en ralenti afin que vous puissiez voir leur déplacement. J'ai aussi analysé le son car la caméra enregistre également le son. J'y ai découvert un message. Je vous laisse découvrir. Et là, on peut voir un orbe qui se déplace. Donc, dans la deuxième séquence, j'ai recadré, j'ai mis au ralenti afin que vous puissiez bien le suivre. Là maintenant, j'en vois un qui part de mon canapé et qui va aller sur le cadre de ma fille. Je vais faire un ralenti afin que vous le voyez bien. Là, on en voit un qui part au-dessus de mon pot et d'un seul coup, deux, trois qui passent devant la caméra. J'ai donc mis au ralenti afin que vous puissiez le suivre. J'en ai un autre qui va partir de la gauche. J'ai fait aussi un ralenti afin que vous puissiez bien le voir. Voilà, sur celle-ci, on peut en voir un ou deux, donc je vous laisse découvrir par vous-même. Là, c'est rapide, à droite et à gauche. Je fais un ralentissement. Voilà, on a bien eu le temps de les voir. On voit qu'il y en avait trois en fait. Donc on a pu en voir une passer rapidement. Là, je l'ai mis au ralenti afin qu'on puisse la voir. Hop, on la voit bien. Elle est très ronde et bien lumineuse. Voilà, là on l'a bien vue. J'ai bien ralenti. Elle était bien ronde aussi. Donc là, on en voit une qui arrive par la droite. C'est dans cette dernière prise de caméra que j'ai vu cette jolie présence qui arrive, je la vois là d'ailleurs. Je vais vous laisser découvrir ceci. Cette présence vient du plafond, c'est un tout petit point, on ne le voit pas bien parce que j'ai ralenti. Et on le voit descendre. Il va descendre vers le meuble où il y a mon chat. Et en fait, sur le meuble, il va se stopper. Il va attendre un moment et il va remonter. Et sur ce meuble, j'ai quatre anges et un brûle-encens en forme de Bouddha. Et il s'est arrêté près du Bouddha. Je vais le remettre en mode normal afin que vous voyez bien d'où il vient et comment il fait son trajet. Et ensuite, je vais zoomer un petit peu. Vers la palme, il part regarder. Ensuite, il va sur la gauche, il descend, on le voit dans le noir, tout doucement là, qui s'approche. Il va vers mon meuble, regardez. Hop, il s'arrête.
et hop, il remonte. Donc on voit bien que c'est pas une poussière. Une poussière ne peut pas faire ceci. Voilà, je voulais faire en partage avec vous une partie de la vidéo car il me reste encore beaucoup à analyser de cette nuit. Donc si je vois d'autres choses, je ferai une vidéo avec plaisir afin de vous montrer ce que j'ai pu capter. Je vous embrasse, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Bisous!